L'histoire que je vais vous raconter se déroule dans le monde des puissants. Un monde peuplé de grands banquiers, de ministres, d'agents secrets, de marchands d'armes, d'intermédiaires douteux, de juges opiniâtres et de journalistes trop curieux. C'est une histoire qui met à nu les mécanismes secrets inhérents à l'exercice du pouvoir. C'est une histoire rare. Le monde des puissants ne nous donne à voir que ce qu'il veut bien montrer. Les coulisses du pouvoir nous sont interdites. Nous n'y sommes jamais invités. Sauf quand un dérèglement du système, une fissure, déchire la forteresse des secrets de la République. C'est là que je vais vous conduire. Dans une nébuleuse dont vous n'avez vu que les flammes, l'avant-scène. Un tribunal transformé en arène. Le 21 septembre 2009 aurait dû être un jour ordinaire. Mais il s'ouvre sur un barnum qui fait trembler les milieux politiques, monter l'adrénaline des chroniqueurs judiciaires et qui, partout, alimente rumeurs et discussions de comptoir. C'est le procès de l'année qui va commencer dans tout juste une heure au palais de justice de Paris, celui de la ténébreuse affaire Clearstream. Avec au rang des prévenus, un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, et quatre suspects accusés de complot contre Nicolas Sarkozy avant l'élection présidentielle. Le chef de l'État lui-même est parti civil dans ce procès qui va durer un mois. Tout commence en 2004. Le juge Renaud van Ruymbeek reçoit d'un mystérieux corbeau la liste des prétendus détenteurs de comptes secrets à la banque luxembourgeoise Clearstream. Banque luxembourgeoise où figurent des personnalités suspectées de dissimuler à l'étranger de l'argent de commissions occultes, le nom de Nicolas Sarkozy y figure. Dans le plus grand secret, Dominique de Villepin diligente plusieurs enquêtes sur ces listings. En fait, ces listings sont des faux, mais personne ne cherche alors à stopper la manipulation. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui à Dominique de Villepin. L'enquête s'oriente rapidement vers Imad Laoud, un informaticien que l'on suspecte d'avoir forgé le faux document. Je ne suis pas le falsificateur, je n'ai pas rajouté les noms. Ça, c'est l'affaire de Gergorin, de Rondeau et des autres. C'est tellement loufoque, ça va. Il n'y a rien. Je suis ici par la volonté d'un homme. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy, qui est aussi président de la République française. J'en sortirai libre et blanchi. Quelques applaudissements fusent. Celui qui est soupçonné de complicité, de dénonciation calomnieuse, a lancé sa défense. Elle sera politique. Nicolas Sarkozy, lui, est dans l'avion en vol pour New York. Loin de cette agitation judiciaire, une jeune journaliste, Vanessa Ratignier, a passé des mois à explorer tout ce qui concerne notre histoire. Un travail laborieux. 80 000 pièces d'instruction à examiner, des dizaines d'interviews à lancer, 20 ans d'histoire à reconstituer. Je vous appelle car je fais une enquête sur l'affaire Clearstream. J'ai lu votre livre, j'aurais beaucoup aimé qu'on puisse en parler ensemble. Après des mois, son travail croise celui d'un homme qui a passé sa vie à enquêter sur les coulisses du pouvoir. Pierre Péan a 30 livres enquête derrière lui. Des livres qu'il a écrits dans sa cabane, loin de l'effervescence parisienne. Son réseau d'informateurs et son expérience vont permettre à la journaliste de cheminer dans ce labyrinthe. C'est vrai que sur ces listings, on a les plus grands industriels, on a des hommes politiques de tous bords, on a des grandes personnalités, des avocats, des hommes des médias, on a des hommes du renseignement, on a des personnalités internationales, des mafieux russes ou du moins des supposés. Enfin, je crois que s'il n'y avait pas eu d'affrontement entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, je crois que l'affaire n'aurait pas du tout pris cette ampleur. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui fait qu'une affaire devient une affaire d'État. Tous les jours, il y a des dysfonctionnements dans l'appareil d'État et certains dysfonctionnements attirent les journalistes, attirent la classe politique et ça fait les unes. C'est quand même une alchimie tout à fait mystérieuse. Finalement, quand on rentre dans ces listings et qu'on s'intéresse aux différents noms qui sont cités, ça nous permet vraiment de pénétrer dans tous les lieux de pouvoir. Absolument. Le procès Clearstream s'est achevé comme il avait commencé, sur une déclaration de Dominique de Villepin. Oui,
Nicolas Sarkozy avait promis de me pendre à un croc de boucher. Je vois que la promesse a été tenue. Le procureur réclame 18 mois de prison avec sursis contre Dominique de Villepin. Que retiendra-t-on de ces 5 semaines d'audience ? Des peines de prison ferme ont été requises contre Jean-Louis Gergorin. Je ne suis pas le personnage qui est décrit par ce jugement. J'ai cru à l'authenticité des listings informatiques, des listings Clearstream transmis en 2003 et 2004. Imad Laoud est lui condamné à 3 ans, dont 18 mois ferme. Imad Laoud, dont l'implication dans la machination ne fait guère de doute. C'est souvent comme ça avec les grands procès. Ils servent à dire le droit, pas toujours à établir la vérité. Là, rien sur la société Clearstream, la finance et les paradis fiscaux. Rien sur les contrats d'armement, l'argent noir, les commissions et les rétrocommissions. Rien sur les zones grises d'un système au cœur duquel ces hommes se sont entretués. Juste cette odeur de haine, entre individus d'un même monde. Pourtant, cette affaire est passionnante. Reprenons toute l'histoire au début. Sept ans avant le procès, un matin d'octobre 2002, un inconnu sort de prison. Cette affaire Clearstream, elle démarre pour moi le 7 octobre 2002. C'est une date importante pour moi, pour deux raisons. D'abord, j'ai 35 ans ce jour-là. Et puis surtout, je sors à 13h15 de la maison d'arrêt de la santé, où j'étais en détention provisoire dans un dossier qui n'est toujours pas jugé, donc ça fait 11 ans maintenant. Je sors, je n'ai pas de sous, je suis seul, ma femme vient me chercher à la sortie de la maison d'arrêt. On est lundi, c'était le lundi 7 octobre 2002. À cette époque, personne ne connaît encore le nom d'Imad Laoud. Issu d'une famille de militaires chrétiens libanais, Imad Laoud se réfugie en France à 14 ans pour échapper à la guerre civile qui ravage son pays. Accueilli dans les beaux quartiers parisiens, Imad Laoud fréquente les meilleurs établissements. C'est un élève doué. Il obtient 2 DEA, l'un en physique des solides, l'autre en probabilité et processus aléatoires. Ce cursus lui vaut une embauche à la banque Merrill Lynch. À Londres, la City affectionne les mathématiciens de l'Hexagone. Le premier Imad Laoud se dévoile dans le documentaire d'Éric Rochant, Traders. Un trader, c'est un joueur. C'est quelqu'un qui parie sur des scénarios. Moi, personnellement, de par l'expérience que j'ai vue à Londres, puisque j'ai travaillé en fait dans la City pendant presque 4 ans, je crois que les banques emploient des parieurs. Dans la vie d'un trader, on peut avoir deux approches. La première, c'est rechercher le trade qui va vous rendre célèbre. Ça, c'est une approche. Il y a une deuxième approche qui est de dire il faut que j'évite le trade qui va me mettre au tapis. Ils sont ainsi les traders. Ils jouent des millions, mais ils jouent avant tout. Dans cette histoire, il nous faut garder à l'esprit que le plaisir du jeu est une caractéristique profondément ancrée dans la personnalité d'Imad Laoud. Après 4 années à Londres, Laoud a de l'argent, roule en Ferrari. Il rentre à Paris rejoindre sa femme. Anne-Gabrielle Heilbronner est énarque, inspectrice générale des finances. C'est une fille de bonne famille. Son père, François Heilbronner, est l'un des hommes influents de la finance française. Ancien chef de cabinet du jeune ministre de l'Agriculture Jacques Chirac en 1972, il sera en 1975 puis en 1986 son directeur de cabinet adjoint à Matignon. En remerciement pour ses bons et loyaux services au clan chiracien, François Heilbronner prendra la présidence du géant des assurances, le groupe GAN. En 1996, Imad Laoud, bientôt père de famille, quitte la City pour rentrer à Paris et retrouver les Heilbronner. Je viens de rentrer de Londres. C'était
un rêve d'enfant. Donc j'ai travaillé dur à Londres et puis ensuite je l'ai vendue. Vous voyez, elle est encore immatriculée anglaise là. Mmh. Et je l'ai revendue parce que c'était insupportable. Avec un enfant, on ne peut rien faire et puis ça coûte tellement cher à entretenir que... Ça fait partie du mythe, ça fait partie de la vie londonienne. Bon, c'était des années où on gagnait bien notre vie. Au sein de sa belle famille, l'ancien trader prend de l'ampleur, change de costume et devient le deuxième imam de la Oud. En 1997, il embarque son beau-père dans la création d'un fonds spéculatif à très haut risque, le fonds Voltaire. 40 millions d'euros hébergés dans un paradis fiscal, les îles Vierges britanniques, et gérés par HL Gestion. H comme Heilbronner, L comme Laoud. Le beau-père assure la présidence, Laoud la gestion. La stature du haut fonctionnaire rassure les investisseurs, Gann, Fortis, comme les AGF, y injectent des millions. À partir du moment où il va monter effectivement un fonds, il ne va avoir aucune difficulté parce qu'il est patronné, parce que sur son front, c'est pas Laoud qu'on voit, c'est Heilbronner et Chirac. L'ancien directeur de cabinet de Chirac à Matignon, l'ancien président du GAN, une personnalité respectée dans le milieu. On voit Chirac, on voit donc le plus haut. Bah oui, on voit le plus haut du pouvoir. On fait confiance. En fait, on lui fait confiance. Mais à l'été 2000. Après 3 ans d'existence, le fonds Voltaire accuse des dizaines de millions de pertes. Pendant la crise du Nasdaq, en fait, qui démarre à peu près en février 2000, le fonds fait faillite, puisque c'était un fonds à effet de levier. Et là, pour le coup, donc, le fonds est fermé et il ne se passe pas grand-chose jusqu'en juin 2002. Donc il y a un magistrat, il s'appelle Isabelle Prévost-Després, qui... m'interroge au pôle financier, me met en examen et me jette en prison. Donc en juin 2002, vous retrouvez en prison parce que le fonds d'investissement que vous avez monté... Voilà, a fait faillite et on m'a accusé d'avoir abusé en fait les investisseurs parce que je ne leur ai pas dit que les investissements étaient risqués, etc. Il y avait 5 investisseurs, c'était tous des grands professionnels. Il y en a un qui a disparu depuis, c'est Fortis. Bon, il a disparu parce qu'il a fait de mauvais investissements ailleurs. Moi, il a perdu 3 millions d'euros chez moi, mais il a dû perdre plusieurs milliards en faisant des bêtises sur ce qui a provoqué la crise. Oui, sur les subprimes, absolument. Bref. J'ai rencontré des grands pipoteurs, des grands enfumeurs, mais je crois qu'à ce niveau-là, le journaliste est complètement désarmé face à un mec comme ça. Et il faut faire extraordinairement attention puisque... Par définition, il comprend toujours ce que toi tu cherches. Et donc, il va vite comprendre comment te clouer au sol là, en te balançant des choses qui sont crédibles dans ton propre univers. Laoud justifie la faillite par la crise du Nasdaq, une version contredite par le dossier d'instruction. Les différents réquisitoires évoquent des faux et des usages de faux, du recel, des abus de confiance aggravés, une escroquerie en bande organisée. François Heilbronner et Imad Laoud sont mis en examen. Le beau-père échappe à la prison, Imad, lui, est placé en détention provisoire à la santé. 108 jours durant lesquels Imad enfilera son 3e costume, celui du repris de justice. En octobre 2011, l'affaire n'est toujours pas jugée. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a 43 millions de dollars qui s'envolent. 42 millions de dollars qui s'envolent. Théoriquement, quelqu'un qui n'est pas patronné comme ça, sa vie est cuite complètement. Et il n'est plus question de rebondir, en tout cas pas avant longtemps et pas dans le même pays. Eh bien lui, il fait quelques semaines de prison. Sa femme ne l'a pas lâché, son milieu ne l'a pas lâché. Bah, il peut revenir. Ce que je veux dire, c'est qu'un type comme ça, il n'était pas dans cette famille, s'il n'avait pas ses patronages, c'est un mec cuit. Eh ben non, c'est pas un mec cuit. L'image, Heilbronner Chirac est plus fort que escroc. Avec la mise en examen dans le dossier Voltaire, Imad Laoud a carbonisé son beau-père. François Heilbronner est alors à la retraite.
Imad Laoul, lui, a encore un avenir à construire et des rêves de puissance. Il va maintenant utiliser son frère aîné Marwan, qui est l'enfant prodige de la famille. Un polytechnicien qui n'avait que 23 ans quand il a rejoint le cercle très fermé de l'armement. Le 7 octobre 2002, je sors à 13h15 de la maison d'arrêt de la santé. Et la première chose que je fais, j'appelle mon frère Marwan, qui à l'époque était adjoint de Jean-Louis Gergorin, lui-même vice-président exécutif de ADS. Donc j'appelle Marwan en lui disant, voilà, je viens de sortir, j'aimerais bien te voir, j'ai pas d'argent, aide-moi, comment je vais faire pour m'en sortir. Donc on est lundi, c'était le lundi 7 octobre 2002, et je le vois le mardi, le lendemain, il m'invite à déjeuner chez EADS, donc à la Popote, au 7e étage, entre guillemets, la cantine de la direction. Le 7e étage de ADS est un lieu ultra privé où déjeunent les grands patrons. Ceux d'Airbus, Eurocopter, Daimler, Lagardère. C'est là que se réunissent les stratèges, les décideurs et les actionnaires du deuxième groupe mondial de défense et d'aéronautique. La plus prestigieuse vitrine industrielle de l'Europe, qui pèse alors 30 milliards d'euros par an. Parmi les dirigeants de ADS, Marwan Laoud, le grand frère providentiel d'Imad, celui qui va lui permettre de rencontrer l'autre personnage principal de notre histoire, Jean-Louis Gergorin. Je ne suis pas le personnage qui est décrit par ce jugement. J'ai cru à l'authenticité des listings informatiques, des listings Clearstream transmis en 2003 et 2004. L'homme qui est le principal accusé de l'affaire avait jusque-là tout réussi. Considéré comme un brillant esprit, stratège du groupe EADS, Jean-Louis Gergorin est, depuis l'âge de 27 ans, au plus haut sommet du pouvoir. Familier des grands hommes politiques, des chefs des services secrets et des journalistes les plus en vue. Tiens, j'ai des choses pour toi. J'avais suivi l'affaire Clearstream en ne comprenant rien. Par contre, la seule chose dont j'étais à peu près sûr, c'est que Gergorin, c'était pas, le rôle qu'on lui attribuait n'était pas le bon. J'avais l'image, moi, d'un quelqu'un qui était vraiment très service public, genre de moine-soldat, avec le drapeau, avec tout ça, et ce qu'on lui faisait jouer, puis avec une grande morale, une éthique républicaine, et donc le rôle qu'on lui attribuait dans le procès m'allait pas du tout. Qu'est-ce qu'il avait à faire, lui, à faire tomber Sarko, ou faire tomber je sais pas qui, donc ça collait pas. Et donc, j'ai cherché à partir de ce moment-là à le rencontrer, mais sans savoir où j'allais. Au début, je l'ai écouté plusieurs heures sans savoir. Quand avez-vous entendu parler pour la première fois d'Imad Laoud ? La première fois que j'ai entendu parler d'un frère de Marwan, ça se place peu après le 11 septembre 2001. On parle du 11 septembre, qui était vraiment quelque chose qui était extrêmement important pour nous, à la fois en tant que citoyens, mais aussi en tant que responsables de ADS, parce que ça avait des conséquences dramatiques sur le trafic aérien, sur la société. Il me dit, tu sais que j'ai un frère qui est financier, et selon lui, il y a eu des délits d'initiés qui ont précédé le 11 septembre. Ça m'a frappé, je trouvais ça intéressant. Et puis j'avais quand même 10 000 autres soucis en tête. Il ne m'en parle plus de ce frère, donc il n'a même pas dit son prénom. Et juin 2002, Marwan, qui est donc mon principal adjoint, que je vois tous les jours, il arrive complètement défait dans mon bureau, mais complètement défait. Et il me dit, mon frère est en prison. Je lui dis, attends, ton frère qui et tout ça. Et il me raconte, il ne me dit pas que son frère est malhonnête, ni qu'il est honnête. Mais le plus sentiment, c'est que son frère, il donne le sentiment que son frère est un type très brillant, un petit peu imprudent. Il est avant tout dévasté. Et donc j'essaie de le conforter. Puis début octobre, je vois Marwan dans la matinée. Il me dit une très bonne nouvelle, mon frère a été libéré hier. Et il me dit, il vient déjeuner tout à l'heure.
Ce serait pas mal si tu pouvais passer éventuellement. Il souhaite se réhabiliter. Il semble qu'il sait des choses sur les financements d'Al-Qaïda. Je me suis souvenu après coup, pas sur le moment de l'histoire du délit d'initié, j'avais demandé à Marwan qui me dit oui, c'était bien à lui que je faisais allusion. Pour moi, c'est un geste d'amitié, normal qu'il me demande de passer et de faire la connaissance de son frère, je vais le faire. On a d'excellentes relations avec Marwan. Marwan était à l'époque responsable des fusions-acquisitions chez EADS, travaillait dans le département stratégie et coordination que dirigeait Jean-Louis Gergorin, et donc c'était un adjoint de Jean-Louis Gergorin depuis 4 ou 5 ans. 24 heures après sa sortie de prison, Imad Laoud est donc introduit auprès de Jean-Louis Gergorin, l'un des hommes les plus influents de l'industrie de la défense et de l'aéronautique européenne. Je les trouve tous les deux, ils me présentent Imad. Alors Imad, je trouve un garçon évidemment assez... Il paraît quand même fatigué, ça on sent qu'il venait pas de passer 3 mois dans la Riviera. Mais vif, extraordinairement sympathique, un peu timide. Avant que de l'interroger sur ses affaires d'Al-Qaïda, ou de finance, de ce qui pouvait aider sur le financement islamique, je lui ai dit « expliquez-moi votre affaire ». Son histoire était très convaincante, qu'il n'avait évidemment pas piqué un sou, mais qu'en revanche, il avait été imprudent en mettant tous ses œufs dans le même panier, qui était le panier des valeurs Internet. D'où le fait que les investisseurs avaient tout perdu. Puis bon. En gros, c'était une explication qui tournait autour de cela, mais ce n'est pas tellement le détail technique de son explication, en plus je n'étais pas compétent, mais c'est le personnage, je l'ai trouvé touchant et convaincant. Il m'a tout de suite dit « passez-moi votre CV, je vais vous aider ». Voilà. À l'époque, je ne savais absolument pas ce qu'avait fait Jean-Louis Gergorin dans sa vie, je ne savais pas ce que c'était que le CAP, je ne savais pas qu'il connaissait Dominique de Villepin, qu'il connaissait Philippe Rondeau, que c'était quelqu'un qui est sorti totalement esquinté de la guerre froide, enfin, etc., etc. Jean-Louis Gergorin est ce qu'on appelle un grand commis de l'État, l'un de ceux qui conseillent présidents et ministres. Énarque, major de Polytechnique, l'homme est fiable, parfaitement efficace, totalement dévoué. Du personnel d'entretien au grand commis de l'État, autoconditionnement ou attitude naturelle, on a l'impression que tout ici est fait avec calme, réflexion et pondération. En 1973, il participe à la création d'une structure de prospective au sein du ministère des Affaires étrangères, réunissant l'élite des diplomates, des universitaires, mais aussi des services spéciaux. On l'appelle le CAP, Centre d'analyse et de prévision. Son objectif, étudier les grands enjeux géopolitiques mondiaux pour mieux anticiper les positions de la France. Nous contribuons à la réflexion, à l'élaboration de la politique étrangère. Je crois qu'il est important, pour ne pas mélanger les genres et pour justement nous donner une certaine indépendance par rapport aux politiques passées ou en cours, de ne pas nous charger en même temps d'une tâche de négociation. Nous n'avons aucun intérêt, je vais dire, de prestige ou d'institutions à défendre une politique qui est celle-là même que nous sommes chargés de mettre en œuvre. Et je crois que ça nous donne une beaucoup plus grande indépendance et aussi je pense qu'il est important que nous soyons en quelque sorte redondants par rapport au reste du ministère, justement pour fournir un éclairage indépendant au ministre. Les présidents changent et Jean-Louis Gergorin prend la tête du CAP. Sous Pompidou, Giscard puis Mitterrand, il renforce ses pouvoirs et son influence. Au fil des ans, il s'entoure d'une élite en devenir, dont deux hommes qui sont eux aussi au cœur de notre histoire. Un jeune énarque, Dominique de Villepin, un officier du renseignement, Philippe Rondeau. Ils ont 30 ans, ils sortent à peine de l'école, et puis c'est un moment qui est très important dans une carrière. Les liens que tu tisses à ce moment-là sont fondamentaux. C'est un truc très révolutionnaire qui a été fait par rapport à la diplomatie classique. Ces petits jeunes de 30 ans sont plus connus que des vieux barbeaux de diplomates qui ont 50 ans. Il y a une tradition au Quai d'Orsay, c'est de se méfier toujours des services secrets.
les ambassadeurs classiques faisaient semblant de ne pas lire les dépêches parce que un diplomate ne s'abaisse pas à ce niveau-là, alors que des types comme Jean-Louis Gergorin vont utiliser toutes les possibilités, vont nouer des liens avec les services secrets. Donc le CAP est quelque chose de totalement original dans l'appareil d'État français. En 1984, Jean-Louis Gergorin décide de quitter le CAP. Il sait que le futur se construit à l'échelle de l'Europe, dans cette zone grise qu'est l'industrie de la défense. Il trouve sa place dans le groupe de Jean-Luc Lagardère, Matra, le fabricant de missiles. Eh bien, l'arrivée des missiles a incontestablement tout révolutionné parce que les missiles sont de plus en plus concentrés, condensés. Ils sont petits, vous voulez dire ? Ils sont petits et ils permettent à l'avion d'abord d'assurer ce qu'on appelle la supériorité aérienne. Aucune guerre, je crois, moderne n'a été ou ne peut être gagnée sans que l'on détienne la supériorité aérienne. Sur un stand français, on propose les missiles en jaune, rouge ou bleu au même prix. Ça a été vraiment un changement de vie parce que j'étais... Le centre d'analyse de prévision avait, Pierre, vous le savez bien, un certain succès médiatique. Donc, effectivement, quand je suis parti chez Matra, je me souviens que Jacques Amalric a fait un petit entrefilet, un petit article dans Le Monde sur le rôle que j'avais joué, etc. Enfin, j'étais un petit peu dans l'environnement des gens qui comptaient en politique étrangère, en doctrine de défense, etc. Et là, je suis vraiment complètement replongé. Pendant pas mal d'années, si vous voulez, me suis immergé dans l'industrie. Lorsqu'Imad Laoud rencontre l'ancien diplomate, devenu le stratège du groupe EADS, il sait parfaitement qu'il est face à un homme au fait de sa puissance. L'ancien trader joue ce jour-là son destin. Alors Imad me fait un grand numéro, je veux me réhabiliter, j'ai fait des erreurs, mais des erreurs, pas de malhonnêteté, je veux servir mon pays, je me souviens toujours. La France est mon pays, je veux servir mon pays. Il a dit ça avec beaucoup de force. Je veux servir mon pays. Ça, je me souviens encore de cette phrase. Et donc, de façon assez elliptique, mais enfin, quand même, il m'a dit qu'il a géré dans les années 90 des comptes de la famille Ben Laden, mais qu'il ne sait pas très bien à qui s'adresser dans les services. Est-ce que c'est la DST, est-ce que c'est la DGSE, me dit-il. Et qui peut l'introduire ? Et Marouane redit, mais c'est pour ça qu'on voulait un peu te demander ton avis, parce que tu connais un peu ces gens-là, etc. Un des plus gros clients de la banque pour laquelle je travaillais, qui était la banque américaine Merrill Lynch, était la famille de Ben Laden, qui est une famille extrêmement honorable. Quand on sort l'élément singulier qu'est Oussama Ben Laden de la famille, c'est une famille extrêmement honorable en Arabie Saoudite. C'est des entrepreneurs, ils ont plusieurs types d'activités, dont une activité financière qui gère en fait le fonds de pension de la famille. Et ce fonds de pension, en fait, était un de mes clients. Et donc, l'idée de Jean-Louis Gergorin, c'était de travailler entre la DST et la DGSE pour les éclairer sur les mécanismes financiers de cette famille. Et donc voilà, c'est Jean-Louis Gergorin qui m'entraîne et qui me prend rendez-vous avec le général Rondeau pour la première fois. I want Tim Hill, I want justice. There's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. Dans cette période post-11 septembre, alors que les services du monde entier traquent le plus grand terroriste de l'histoire, la promesse de Laoud fait de lui un homme important. Après avoir utilisé son frère Marouane, séduit Jean-Louis Gergorin, il va rencontrer le général Rondeau, celui que l'on surnomme le maître espion français. En près de 40 années dans les services de renseignement, le général Rondeau a construit sa légende dans les carnets secrets de la République, de Bucarest à Washington, de Khartoum à Kaboul, de Paris à Beyrouth, de Bagdad à Moscou. Avec l'explosion de l'affaire Clearstream, on découvre le visage émacié du général de division, âgé de 70 ans, Saint-Cyrien, ancien commando parachutiste et docteur en sociologie. Il a un profil extraordinaire, Rondeau. Il est d'abord, c'est un intellectuel qui rentre après dans un service secret, mais dans le service action.
Donc, un intellectuel action déjà. Action, c'est les opérations. Mais les opérations spéciales. Hein. Le service action, c'est le bras armé de la DGSE qui, elle-même, la DGSE, c'est grosso modo le bras armé de la France. Hein. C'est quand il le faut, il y a des opérations spéciales qui sortent de la légalité apparente pour aller, y compris, déstabiliser un pays, tuer un chef d'État, piquer des documents. Disons, le service action, c'est l'illégal légitimé par la raison d'État. Le général Rondeau entre en 1965 dans les services spéciaux. Il est officier au service action du SDEC, l'ancêtre des services de renseignement extérieur français. Chef de poste en Roumanie, en 1975, les services le perdent de vue 3 jours durant, alors qu'il doit rendre compte de son emploi du temps heure par heure. On le soupçonne d'avoir été retourné par la Securitat, on l'interroge. Il n'a rien pour se justifier, il est débarqué des services spéciaux. Depuis, il consigne tout ce qu'il fait dans des carnets secrets, carnets qui deviendront la pièce maîtresse du procès Clearstream. Il est soupçonné de trahison et vidé du SDEC. Et donc il va être récupéré, c'est très important pour comprendre l'amitié entre Gergorin et Rondeau. Il va être récupéré par le CAP, par Jean-Louis Gergorin. Gergorin va participer à une nouvelle enquête pour dire que tout ce qui avait été, toutes les accusations portées contre Rondeau étaient fausses. D'où le lien fort entre Gergorin et Rondeau. Il se trouve qu'en février 1979, je suis devenu le patron du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, et je me suis dit que Rondeau pourrait être une recrue intéressante sur le monde arabo-islamique, où il avait visiblement une compétence considérable. Donc je l'avais recruté. Nous sommes tout à fait proches, il fait partie de mon équipe, donc font partie au même moment différents noms de personnes, dont Dominique de Villepin d'ailleurs. La mayonnaise prend très bien, et in fine, Philippe Rondeau rencontre Yves Bonnet, directeur de la DST, que je connaissais également, qui lui demande s'il peut travailler à temps partiel pour la DST. Donc il va faire après une carrière aux côtés de la DST, ça ne s'est jamais vu. Quelqu'un en plus qui a été considéré à un moment comme un traître, blanchi, et qui devient le principal conseiller un des principaux conseillers de la DST. Il y a pas mal d'attentats qui ensanglantent Paris au début des années 80, et c'est vrai que Rondeau est un personnage clé. Je pense que c'est le personnage qui, à l'intérieur de l'appareil d'État, connaît le mieux les véritables menaces secrètes contre la France, qui, à partir du milieu des années 80, les menaces terroristes contre la France. C'est celui sans doute qui est capable de le plus d'analyser, que ce soit les menaces iraniennes, que ce soit les menaces du Hezbollah, les groupes pro-palestiniens, les Abou Nidal, les Carlos et ça, c'est sans doute le meilleur connaisseur de tout ça. La longue carrière de Philippe Rondeau est faite de coups d'éclat. La libération d'otages en Libye et au Liban, le démantèlement de réseaux terroristes à Paris, l'arrestation de Carlos en 1994. Mais Philippe Rondeau a aussi ses regrets. L'échec de la libération des moines de Tibérine, la traque ratée des criminels de guerre serbes. Après cette longue carrière, le gouvernement Jospin lui crée un poste sur mesure, conseiller pour le renseignement et les opérations spéciales auprès du ministre de la Défense. Après avoir servi sous Alain Richard, il conseille Michel Alliot-Marie. Donc pour moi, Rondeau était l'expert par essence qui allait pouvoir savoir où fallait orienter Imad Laoul, ce qu'il fallait en faire. Je lui dis, c'est le frère de Marouane, ça me dit quelque chose, j'ai dû rencontrer le père, ça me dit quelque chose, faites-moi passer un CV. Bon, je vais le cribler, je me souviens, il me dit ça quelque part en novembre. Et vous faites quoi, vous, du coup? J'attends, vous savez, je retrouve un peu goût à la vie, je renoue avec ma famille, mon fils qui avait 4 mois quand j'ai été incarcéré, je vais chercher les enfants à l'école, je réfléchis, j'essaye, et puis j'attends. Le vice-président exécutif de ADS me propose de m'aider, je me dis, bon, c'est pas gratuit, s'il l'a fait, c'est qu'il a un job à me proposer, donc j'espère. En décembre, je pense, Marouane m'en reparle.
Alors je crois qu'Imad a voulu chercher à me joindre, mais sans succès. Mais Marwan m'en reparle en me disant, tu sais, il est vraiment convaincu que ces renseignements peuvent être très utiles, où est-ce que tu en es, etc. Je lui dis, écoute, j'en ai reparlé à Rondo, je vais lui en reparler. Et effectivement, je revois Rondo début janvier, et Philippe Rondo dira après, d'ailleurs notamment lors du procès Clearstream, qu'il avait demandé conseil à un de ses amis libanais, très très introduit dans le milieu du renseignement moyen-oriental, qui lui avait recommandé Imad Laout. Bien entendu, il s'est renseigné sur moi, il avait quelques personnes auprès de qui me connaissaient, des personnes qui ont travaillé dans le renseignement au Liban, et qui sont des camarades de promotion de mon père, à l'école militaire. Il s'est renseigné auprès d'eux, ça donc il me l'a dit plus tard, et donc il m'a bien, comme on dit dans le jargon des services, il m'a criblé à l'époque, oui bien sûr, oui. Vous savez auprès de qui il s'est adressé ? Je sais, mais je ne vous le dirai pas. Bon, c'est Johnny Hebdo, je suppose, c'est son parrain. C'est ce qui est le plus probable, oui. C'est ce qui est le plus probable. C'est un ancien patron des services secrets libanais, c'est un ancien ambassadeur du Liban en France, c'est un personnage très très important. Rondo, sa spécialité, c'est le Proche-Orient, mais surtout à partir du Liban. Donc, au fond, il a criblé le personnage par rapport à des gens qu'il connaissait. Ces gens qu'il connaissait, c'est grosso modo de la famille, de tout ça. Donc, on voit bien aussi là. Ça montre encore la fragilité de système, même avec des gens qui l'ont fait de bonne foi, qui sont des spécialistes. Mais on s'aperçoit aussi que même les spécialistes peuvent se tromper. On a quand même un phénomène qui est très particulier avec Imad Laout. À chaque fois qu'il pénètre un nouveau cercle de pouvoir, il bénéficie finalement d'une caution. Il me fait penser à des grands espions, qu'ils soient du KGB ou de la CIA, alors qu'il est tout seul d'habitude, les grands espions, ils ont derrière tous les... Toute une machine, ouais. Des grosses machines, lui, il est tout seul. Mais l'une des questions quand même d'Imad Laout, c'est, est-il vraiment tout seul tout le temps ? Mais le problème... Même au moment de la prison. Le jour où une affaire, il n'y a plus de point d'interrogation, c'est un de ceux que tu poses, il n'y a plus d'affaire. Et donc, ce qu'il y a de bien dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un personnage qui est finalement très romanesque, dont on ne comprend rien de ce personnage. Et ça, c'est un des éléments intéressants de cette affaire aussi. C'est un mystère. Quand justement vous allez voir pour la première fois le général Philippe Rondo, vous savez qui vous allez voir ? Non, mais pas du tout. Je ne savais pas que c'était, soi-disant, le maître espion... qui, pour moi, plus tard, allait s'avérer être quelqu'un de très décevant. Moi, je m'attendais à voir un militaire en uniforme, etc. Et bien, pas du tout. Je vois un homme en civil, d'un certain âge, très gentil, qui ressemble en vieux à Mr. Bean. Les grands manipulateurs ont un point faible. Le mépris pour ceux qu'ils trompent leur fait sous-estimer le danger de leur position. La manipulation, la belle, la vraie, à quelque chose de l'œuvre, mais elle peut être fatale. J'ai voulu jouer avec eux. Je ne dis pas j'ai accepté de jouer avec eux, je dis j'ai voulu jouer avec eux, parce que je suis joueur, et on ne m'a pas forcé, enfin on ne m'a pas menacé en me disant si tu ne joues pas avec nous, tu vas retourner en prison. Ou... Non, on me l'a naturellement proposé. Alors peut-être ils avaient, dans le fameux criblage qui a été fait, peut-être qu'ils se sont dit, tiens, il est un peu fragile à ce moment-là, il est joueur, il est un peu peu regardant, si je peux dire, et donc, voilà, c'est la bonne recrue pour telle opération. Mais en tout cas, j'ai volontiers voulu jouer avec eux. Et alors, parfois ils ont été plus forts, parfois j'ai été plus fort, et finalement, on a tous perdu. Pour l'heure, 4 mois après sa sortie de prison, tout fonctionne parfaitement pour Imad Laout. Je ne sais pas qui, au final, a manipulé l'autre. Est-ce que Philippe Rondo m'a manipulé ou est-ce que c'est moi qui ai fini par le manipuler dans cette affaire ? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est encore partagé. Mais en tout cas, si Philippe Rondo a cherché à me manipuler pour me faire faire des choses, il a réussi puisque j'étais complètement séduit à l'époque. Formidable tour de passe-passe. En joueur averti, Laout manie l'art de brouiller les pistes. La vérité, il faut la chercher ailleurs, dans un document officiel. Dès ses premiers contacts avec Laout, le général Rondo rend compte à sa ministre, Michèle Alliot-Marie.
objet, opération Oussama Ben Laden. Sur la recommandation d'une de mes sources arabes, activée dans le cadre de la lutte antiterroriste, j'ai eu un contact, le 15 janvier dernier, avec une personne qui souhaitait me donner des informations très sensibles sur les structures financières d'Oussama Ben Laden. La personne en question avait été l'un des conseillers financiers d'Oussama Ben Laden. Et il connaissait, jusqu'à une date récente, les montages que celui-ci avait réalisés pour faire fructifier sa richesse. Elle avait été en contact direct avec Oussama Ben Laden plusieurs fois, la première remontant à février 2001. Elle était disposée, sans aucune contrepartie, mais ses motivations sont assez complexes, à nous dévoiler la partie des structures financières dont elle avait connaissance, documents à l'appui. Considérant que j'étais incapable techniquement de recueillir et d'évaluer ces renseignements, j'ai organisé une rencontre avec le général Dominique Champcio et Alain Juillet, le 17 janvier, à l'occasion d'un dîner où avait été convié mon informateur. Donc, il y a ce dîner chez Tante Marguerite. C'est un dîner assez impressionnant, dans la mesure où j'y allais sans savoir à qui j'allais avoir affaire. Je savais que le général Rondeau était là, et ils avaient loué un salon privé. Et donc il y avait trois personnes. Il y avait Philippe Rondeau, il y avait à sa gauche le général Dominique Champcio, qui était directeur de cabinet de Pierre Brochand, donc le directeur général de la DGSE. Et en face de Philippe Rondeau, il y avait Alain Juillet, qui était à l'époque à la DGSE. Il était quoi déjà? Il était patron du renseignement. Donc on peut quand même estimer que je n'ai pas affaire à des bras cassés. Donc ces trois grands ponts du renseignement. Et donc là, ils me questionnent, ils me posent plein de questions. Des questions qui, à l'époque, me paraissaient totalement anodines. Certaines farfelues, même à l'époque, où je me disais, mais je ne comprends pas, pourquoi on me pose ça, mais... Quoi comme question farfelue de la part de trois ponts du renseignement? Du style, est-ce que vous avez une idée où se trouve Oussama Ben Laden? Dans sa note du 20 janvier 2003 à Michel Alliomarie, le général Rondeau poursuit ainsi. Les données livrées par ce dernier ont facilement convaincu les représentants de la DGSE que nous avions devant nous non seulement une source d'une qualité exceptionnelle, mais également un expert de très haut niveau, susceptible d'analyser, voire de pénétrer ce monde trouble de la haute finance. Naturellement, la DGSE et moi-même, bien conscients que l'on ne doit pas s'engager dans une opération dont les tenants et les aboutissants peuvent, en partie, nous échapper, en entraînant des conséquences politiques dommageables, ne serait-ce que dans les complexes relations franco-libanaises, nous prenons toutes les précautions pour exploiter le filon Mahdi, sans donner prise à une possibilité d'instrumentalisation ou de manipulation de sa part. C'est quoi l'enjeu pour vous, ce dîner-là? Qu'est-ce qui se joue pour vous? L'enjeu pour moi, il est... retrouver du travail, ni plus ni moins, à ce moment-là. Quand on entend une réponse comme ça, c'est assez déstabilisant. Mais du coup, soit effectivement, il sort de prison, il cherche juste du boulot et il a une opportunité de travailler dans les services de renseignement comme il aurait travaillé finalement dans n'importe quelle boîte. Enfin, est-ce qu'il fait ça pour se réhabiliter auprès de sa famille? Est-ce qu'il fait ça juste pour continuer à jouer, s'inventer une nouvelle vie, une vie d'espion après ça? Mais attends, pourquoi tu mets soit au fond, notamment les personnes intelligentes, tu ne peux pas les réduire. On n'a pas une motivation. On voit bien que c'est multiple. Il a plein de choses dans la tête. C'est quand même assez particulier. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on retrouve chez lui la volonté de se refaire, la reconnaissance sociale, le besoin de vengeance, l'amour du jeu. Il faut que ce soit un personnage compliqué pour être au centre d'une telle affaire. Et je pense que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas réduire, qu'on ne peut pas analyser de façon rationnelle. Et donc, il faut le prendre dans son ensemble et surtout pas de chercher à le disséquer. Donc finalement... Le dîner touche à sa fin, donc avec Général Rondeau, Dominique Champcio, Alain Juillet. Je suis recruté et je suis clandestin. Dans les semaines qui suivent, Imad Laoud est adressé à un agent secret de la DGSE, un homme qui a pour nom de code Antoine. Celui-ci devient, selon le terme consacré dans les services, l'officier traitant d'Imad Laoud. L'homme verra Laoud clandestinement et régulièrement, afin que celui-ci livre les informations dont il dispose. À chaque entrevue avec Laoud,
Antoine rédige des comptes rendus. Le 24 février 2003, Imad Laoud déclare avoir rencontré à trois reprises Oussama Ben Laden, qu'il décrit comme un individu un peu simple d'esprit, mais très méthodique, ne pouvant rivaliser sur le plan financier avec ses demi-frères, notamment Yeslam. Imad Laoud déclare avoir mis à l'abri au Liban chez sa mère et deux de ses amis d'enfance des documents relatifs à des opérations financières réalisées pour le compte des réseaux Ben Laden. Il propose, sans contrepartie, de les remettre au service. Antoine précise que cette entrevue a lieu le 3 février 2003 dans le bureau du général Rondeau, au ministère de la Défense, de 15h à 16h45. Si Imad Laoud réussit à convaincre Rondeau, c'est que Rondeau, il a beau être une extraordinaire mécanique intellectuelle et un des meilleurs connaisseurs, il a aussi un ego, quelque chose à trembler, d'excitation à l'idée qu'il serait peut-être dans le monde celui qui capturerait Ben Laden, ou en tout cas qui aurait participé à la capture de Ben Laden. Et ce que fait Imad Laoud, c'est de vendre ça à la France et de vendre ça à son représentant, qui est Rondeau. Un chef n'est jamais en rapport avec une source, jamais, parce qu'il faut toujours prendre de la distance, il faut toujours croiser. Eh bien, il prend le risque. Pourquoi Rondeau prend le risque? Mais voilà, devient... c'est pas n'importe mais... quelle source aussi. Eh ben, elle est présentée par Jean-Louis Jargorin. Oui, mais c'est cette sûr. Source, c'est le frère elle de Marwan Laoud. Elle est crédibilisée par beaucoup de monde, mais c'est plus encore que cette crédibilisation par des personnages importants, c'est aussi qu'on lui propose Oussama Ben Laden. C'est facile finalement d'intégrer l'espionnage français? Écoutez, à l'époque, voilà, j'en sais rien. Moi, ça s'est fait comme ça. J'en sais rien. Je ne sais pas. Même la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, pense peut-être déjà aux bénéfices à retirer d'une telle promesse. Une piste solide sur Ben Laden scellerait la réconciliation avec l'Amérique de Bush, alors engagée en Irak, et à qui la France a dit non. L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. Trader à Londres, gestionnaire de fonds de pension à Paris, détenu à la santé et désormais agent secret pour les services, Imad Laoud patine son art. L'amour du jeu, le goût du risque et l'adrénaline le portent toujours plus haut. Et le mensonge prend si bien que le général Rondeau demande à Jergorin de fournir à Laoud un travail et un salaire chez EADS. Autrement dit, une couverture. C'est quand même pas illégitime, c'est un sujet majeur, l'antiterrorisme, etc. Donc je reçois Imad Laoud, qui me parle beaucoup. Qui me dit tout de suite, qui me remercie, qui me dit tout de suite qu'il a vu la DGSE, qui se met à me parler énormément. Je veux dire qu'il me bluffe, il me donne le sentiment qu'il est déjà totalement à l'aise à la DGSE. Je petit déjeune avec Jean-Louis, hystérique, 15 minutes, montre en main, il bouge dans tous les sens, etc. Et là, il me dit, bon, combien il vous faut? Pardon? Combien il vous faut? Je lui dis, écoutez, voilà, bon, peut-être 3000 euros par mois. Bon, ok, très bien, je vous en donne 5000 hors taxes. Merci. Et voilà, j'ai un contrat de 5000 euros hors taxe. Donc me voilà, pour résumer la situation, clandestin à la DGSE, sous contrat de consultant avec EADS, qui en fait me paye pour pouvoir subvenir à mes besoins et donc travailler pour le bien de l'État français. Voilà. Le traitement opérationnel d'Imad Laoud par la DGSE peut maintenant commencer. Nous sommes le 26 février 2003. L'officier Antoine rédige son premier compte-rendu de terrain. Déroulement chronologique. 15h. Arrivée de l'officier traitant au point de rendez-vous place de la Madeleine. 15h05. Imad Laoud se présente au point de rendez-vous au volant de son véhicule personnel. 15h08. Arrivée au parking souterrain des Galeries Lafayette. 15h10. Début des entretiens. Ambiance détendue,
Imad Laoud était de bonne humeur en raison des perspectives professionnelles qui se dessinent et s'est excusé du ton professoral lorsqu'il explique les montages financiers. Sujet traité, récupération des documents à Beyrouth. 16h10, rupture du contact, départ d'Imad Laoud. 16h15, départ de l'officier traitant. Dans la cartographie que je devais réaliser pour la DGSE, il y avait, on va dire, deux parties. Il y avait la description des opérations financières dont j'ai eu à connaître pour la famille Ben Laden, c'est-à-dire le fonds de pension qui s'appelait Globe Investment Limited, d'accord, qui gérait en fait la fortune familiale. Et puis l'autre partie, essayer de récupérer des intitulés de comptes bancaires de Merrill Lynch, par lesquels Merrill Lynch a compensé des opérations financières. Pour pouvoir exploiter les documents qu'il dit posséder au Liban, Laoud doit suivre la circulation de l'argent des Ben Laden de banque à banque et de pays à pays avant le 11 septembre 2001. Or, un organisme interbancaire avec lequel Laoud a travaillé lorsqu'il était trader conserve la trace de toutes les transactions effectuées par les banques entre elles dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle une chambre de compensation. Elle est basée au Luxembourg. Elle s'appelle Clearstream.